Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est mardi. Oui c'est ça, mardi 26 avril. D'ailleurs avant que j'oublie, que ma mémoire me fasse défaut, mon petit Lulu, si tu passes par là, je te souhaite un très bon anniversaire. Tata te fait tout plein de gros bisous. Je t'aime fort mon Lulu. Voilà, message passé. Même si je lui ai envoyé un message déjà, c'est pas grave. Donc j'espère que vous allez bien. Nous ce matin ça va, là il est à peu près 11h je crois, je sais pas, j'ai même pas encore regardé l'heure. Ouais c'est ça, il est 10h50. Sarah dort encore donc je vais pas tarder à la réveiller, mais pour l'instant je la laisse dormir. J'ai commencé le ménage, donc j'ai fait toute la cuisine, comme ça c'est rangé, c'est fait. Mathieu ce matin est au boulot. Vous allez me dire quoi, mais normalement Mathieu est en vacances. Ouais normalement Mathieu est en vacances, mais il y a une panne informatique au lycée, et donc vu qu'on est à côté, et bah c'est Mathieu qui s'y colle, voilà. Donc du coup ce matin il s'est levé, il m'a dit eh merde, il faut que j'aille au lycée parce que bah il y a une panne et que la proviseure adjointe a besoin de l'aide de Mathieu. Donc du coup il est parti réparer la panne, voilà. Donc c'est cool d'habiter juste à côté de son boulot parce qu'il a jamais besoin de prendre la voiture pour y aller. Mais c'est aussi un inconvénient parce que bah, dès qu'il y a une panne, c'est Mathieu qu'on l'appelle quoi. Donc du coup même si c'est les vacances pour lui, et bah aujourd'hui c'est pas les vacances, voilà. Donc il sait pas du tout pour combien de temps il en a. Je lui ai dit est-ce que tu vas bosser toute la journée. Il m'a dit non, normalement j'en ai pas pour toute la journée. Il m'a dit une demi-heure, mais moi je compte toujours plus parce que des fois il pense que c'est une petite panne et puis en fait il trouve pas la panne, voilà. Donc on va croiser les doigts pour que ça dure pas trop longtemps pour lui, mais en tout cas pour l'instant il y est parti. Et donc du coup je suis toute seule avec les filles. Donc là je vais continuer mon petit ménage du jour. Donc vu que j'ai fait la cuisine, là je vais m'attaquer à la salle parce qu'il y en a un petit peu partout. Je vous avoue que depuis le retour des vacances, on a fait le ménage tous les jours, hein. C'est pas qu'on n'a pas fait de ménage, mais on n'a pas fait de ménage en grand. Et là il est temps de faire du ménage en grand, voilà. Donc du coup je m'y colle aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui normalement Mathieu il va se chercher des baskets parce qu'il a plus de baskets. Donc normalement cet après-midi on y va, on devait y aller hier, mais il a tellement fait un temps pourri qu'on n'a rien fait à la maison, on est resté tranquille. Donc on doit faire ça. Je sais que Sarah m'a demandé de passer à Action parce que comme elle a un petit peu d'argent de poche, je sais plus ce qu'elle veut. Ah oui, elle veut aller s'acheter un Critérium, donc pour ses dessins, pour ceux qui suivent sur Insta. D'ailleurs je vous remets mon Insta ici, n'hésitez pas à aller voir, parce que hier Sarah vous a partagé un de ses dessins. Il était juste magnifique. Enfin, il est juste magnifique, il n'est pas encore terminé mais il est juste magnifique. Mais elle a plus de Critérium pour faire son dessin, il a cassé. Donc du coup on m'a dit est-ce qu'on peut aller à Action, et hier franchement j'ai pas la motivation du tout. Donc du coup on va y aller aujourd'hui. Et je sais que Mathieu il a autre chose à faire. On avait dit les chaussures Action, je sais plus. Enfin bref, on a quelques sorties de prévues aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui pour l'instant on a du ciel bleu un peu nuageux. Je vais essayer de vous montrer ça, un petit peu nuageux, voilà. Mais dans l'ensemble il fait quand même beau, il fait pas chaud, je vous l'avoue il fait pas chaud du tout, mais déjà il pleut pas, donc je pense qu'on va sortir, voilà. Donc je me mets au ménage de la salle et on se retrouve après. Bon bah voilà, j'ai fait tout le ménage en grand, ça sent bon dans la maison, ça fait plaisir. J'ai ouvert, j'en profite vu qu'il pleut pas aussi. Et du coup même le chef est revenu, il est là. T'es parti quoi, une heure? Une heure. Peut-être un peu plus, une heure, pour revenir en me disant ça marche pas. Mais là apparemment c'est en train de revenir. Ah d'accord, bon. Je vous jure, hein. Donc du coup j'ai mis Sarah et Roxane au bain, enfin Roxane y était et puis Sarah l'a rejoint, donc ils sont toutes les deux dans le bain. Et quand Mathieu est revenu il m'a dit ah, il fait hyper bon dehors, donc je peux mettre les filles en jupette, donc ça c'est cool. Donc je leur ai préparé leurs habits aussi, comme ça c'est fait. Et puis je disais cet après-midi du coup on va chercher tes baskets, c'est ouais, ça ouais. Il faut qu'on passe à Action pour le Critérium à Sarah, mais on avait autre chose de prévu, tu m'avais dit on va faire les baskets et... Tu te rappelles plus? Non. Bah ça devait pas être important les amis. Bref, on verra bien cet après-midi. Voilà, mais je suis contente, déjà tout mon ménage est fait. Mon boulot c'est fait, j'ai commencé à ouvrir le vlog, j'ai fait mon post Insta, j'ai checké mes mails, j'en ai pas. Il faut que je vois si j'ai des commentaires, mais normalement je devrais pas trop en avoir vu que je n'ai pas vlogué hier. Donc ça devrait être bon, donc c'est cool. À midi, qu'est-ce qu'on mange? Crudité? Ouais.
ça devrait aller vite aussi. Moi, ça passe. Donc c'est bien, c'est cool. J'ai toujours pas fait ma douche. Hein. Moi non plus. Bon, en même temps, on a fini ce qu'on avait à faire, le ménage et tout ça. Ouais. Et puis après, j'étais au téléphone avec Nani, parce que ça faisait un petit moment, je l'avais pas eu au téléphone. Non. Donc du coup, j'étais au téléphone avec Nani. Tous ceux qui savent pas qui est Nani, c'est ma sœur. Mais je crois que les anciens abonnés, les vieux abonnés, ouais, ils savent. Oui. J'ai même plus besoin de dire. C'est ça. Bref, j'étais au téléphone avec elle. Et donc, du coup, après, on a préparé à manger. Donc là, on va passer à table. Donc comme je disais tout à l'heure, on mange crudité. Donc melon, concombre, tomate. Et puis hier, on a mangé du poulet. Donc du coup, on va finir le poulet aussi. Comme ça, voilà, on va décongeler du pain. Et puis on va passer à table, et puis après, ah, faut qu'on repasse à la boulangerie. Ouais. Et puis après, j'irai à la douche et on ira se balader un petit peu. Et moi, je suis pas ravie parce que j'ai mes allergies qui reprennent. Bah là, vous me voyez très mal, mais j'ai mes allergies qui reprennent. Et en plus, en ce moment, je dois mettre tout le temps mes lunettes parce que j'ai tout le temps mal à mes yeux. On dirait que j'ai. C'est comme si je dois porter mes lunettes tout le temps, vous voyez, je veux pas. Mais oui, mais je veux pas porter mes lunettes tout le temps. Ah, je viens de me prendre la clenche dans le bras. Ça fait mal. Ah, j'ai trop mal. Bref, oui, donc je vous disais, en ce moment, je les porte tout le temps, parce que bah, j'ai tout le temps mal à mes yeux. Donc, faut tout le temps que j'aille mes lunettes, même si j'aime pas les porter. Voilà, allez, on va manger. Alors, est-ce que le dessin que tu as commencé hier, qu'on a partagé sur Insta, est-ce qu'il est enfin fini? Oui, mais il manque quelque chose. Il manque quoi? Un stylo. Ah oui, mais on va aller il nous manque ça. Oui, fait. Mais on va finir. Ouais, parce que là, le tien, il est un peu. Là, on voit pas, mais alors. Celui-là, Sarah. Oh là, il en est tombé par terre, mais. Où es-tu? Tu es là. Mais là, vous voyez pas, mais en fait, la mine, c'est un peu la catastrophe. Je vais essayer de vous le montrer quand même. Voilà, en fait, là, la mine, là, ça écrit plus grand-chose. Voilà, donc du coup, on va aller voir si. On en trouve un autre. Mais c'est pas grave. Est-ce que... Attends, parce que t'es un peu flou. Voilà, c'est mieux. Alors, est-ce que tu peux... Oh, waouh! J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. C'est beau dessin. Elle est très, très beau. Hein. Donc, qu'est-ce que t'as utilisé? On sait que t'as utilisé du crayon à papier. Enfin, du crayon de couleur. T'as utilisé de l'aquarelle. Un papier à aquarelle, exprès. Heureusement, il en restait pour à maman. Hein. Du coup, ça, c'est du papier spécial aquarelle qu'on avait acheté... à Action, je crois que celui-là il vient. Je crois. On va aller vérifier, mais je crois qu'il vient d'Action. En tout cas, les feutres aquarelles comme ça, bon, elle en a plein, Sarah, mais là, elle avait sorti que ces deux-là. Sur papier basique, ça ne fonctionne pas. Par contre, sur papier comme ça, spécial aquarelle, ça marche plutôt très très bien, puisqu'on le voit au niveau du ciel, du buisson ou des collines, je sais pas trop, derrière là, tout ça c'est de l'aquarelle, les fleurs aussi c'est de l'aquarelle, la table c'est de l'aquarelle. Donc là c'est l'aquarelle qu'elle a utilisée en majorité. Qu'est-ce que tu as utilisé d'autre? Oui, c'est tout tes feutres, oui. Qu'est-ce que tu as utilisé d'autre à part l'aquarelle? Est-ce qu'il y a du feutre normal? Oui. Où? Là. Sur les petites fleurs là et sur ton livre, c'est... Là. Ok, c'est du feutre normal. Donc là aquarelle, aussi, feutre, un peu de crayon de couleur. Crayon à papier. Crayon à papier. Et ça donne ça? Oui. Franchement, il est très très beau. Hein. Et stylo noir qui marque quand il marchait encore. Ouais, on finira tout à l'heure pour faire les contours, parce que Sarah va faire les contours et tout bien comme il faut après. Mais du coup, là déjà, il est déjà plus que beau. Hein. Franchement, bravo hein. Carrément. Mais même j'ai eu un peu d'aide de maman. Oui, je t'ai aidé un peu, mais pas beaucoup. Je t'ai montré comment fonctionnait l'aquarelle, mais tout le dessin vient de toi. Je n'ai absolument rien dessiné sur ce dessin, mis à part les fleurs, là. Sinon, tout le reste, la fenêtre, le rideau, la cruche d'eau, ça, la table, tout ça, c'est toi. Hein. La seule chose que j'ai dessinée là-dessus, c'est les fleurs. C'est tout. Et le tout, le derrière. Et le vert, c'est tout. Et là. Ouais, mais le reste, c'est toi. Ouais. Donc, c'est quand même très, très bien. Bravo. C'est clair. Et là, c'est au stylo. Hop. Nous voilà dehors. Bon, du coup, au final, les filles se sont changées parce que, bah, voilà le temps. Il pleut pas, mais il fait pas extrêmement beau. Par contre, il fait pas froid parce que là, j'ai juste mis mon petit... un espèce de petit manteau pas très épais. Et en dessous, je suis en t-shirt. Et j'ai pas froid. Donc, il fait pas froid. Mais du coup, elles se sont changées quand même. Elles ont mis un pantalon pour... pour ne pas avoir froid, voilà.
Donc ça c'est fait, les douches sont faites du coup pour nous, parce qu'il restait plus que Mathieu et moi. Et la direction, la balade, on va où en premier du coup? Action. Action. Donc ça c'est fait, on est débarrassé. Ah non. Pour le coup, c'est pas spécialement moi qui veux y aller. Hein. Non, c'est Sarah. C'est plus Sarah. Oui, tout à fait. Roxane, elle est pas motivée. Je vais peut-être pas rester en plein milieu de la route, ça serait peut-être mieux. Elle est pas motivée aujourd'hui. Hein. Elle a pas envie. Elle avait pas envie de sortir, elle avait pas envie de venir à Action. Rien ne lui convient aujourd'hui. Ouais, il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça, ouais. Tu voudras aller dans le caddie ou pas? Elle a dit oui. Tu veux aller dans le caddie? Oui. S'en fout, mais écoute même pas. J'allais dire, Sarah, tu traverses sans regarder, mais elle a regardé. J'ai eu peur. Allez, petit tour à Action, chercher ton critérium. J'espère qu'il va y avoir les mines dedans. Pourquoi tu fais ouais? T'es content d'aller à Action? Ouais. C'est pour ça qu'il pleut. T'es tellement étonné. Non, alors, aujourd'hui, je suis content d'aller à Action. Et en plus, je suis content d'aller acheter des chaussures. C'est vrai, Mathieu, aujourd'hui, ça achète quelque chose pour lui. Très rare. C'est pour ça qu'il fait pas beau. Je réitère ma phrase. Ouais, c'est tu choisis. Non, celui-là, ça doit pas être aquarelle. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu râles? Bah, c'est toi qui as demandé d'aller dans le caddie. Celui-là, il a l'air pas mal. Hein. C'est juste qu'il est dans l'autre sens, c'est pas grave. Après, tu peux dessiner comme ça quand même. Hein. Il est pas mal celui-là. Bon, on est sorti d'Action. J'ai pas filmé trop dedans parce qu'au final, voilà. Donc, on s'est retrouvé avec Mathieu à alterner un coup lui, un coup moi à porter Roxane. Parce que lui, il a mal à l'épaule. Donc, la porter, c'est compliqué. Et quand elle dort comme ça, pour moi, elle est archi lourde. Donc, on faisait. Chacun son tour. Ça va ma poule? Mais du coup, je vous montrerai à la maison ce qu'on a acheté. Voilà. Donc là, direction chercher tes chaussures du coup. C'est ça. En espérant que elle se réveille pas là, le temps de la mettre dans la voiture, qu'elle dorme un peu jusqu'au magasin, puis qu'après ça soit bon. Parce que s'il faut la porter tout le long où t'essayes tes chaussures, ça va être compliqué. Ça va pas être drôle. Bon allez. On va aller voir pour les chaussures. Petit chat, elle est claquée. En fait, elle se lève tôt tous les matins. Ouais. Elle ferait mieux de dormir. Hein. Franchement, c'est bizarre de venir dans un magasin pour toi. Hein. C'est tellement rare. À peu près une fois, c'est trois. T'as déjà une idée de ce que tu veux ou pas du tout? Basket, bah, vraiment. Bon, bah, on va regarder. Hein. Oui. Non. Oui, ça va. Oui, oui. Tu non, sais, mais. Tu sais que j'ai besoin de ton aide. Oui, oui, non, mais oui. Pourquoi pas? Hein, bah c'est surtout toi hein, que oui. Moi j'aime bien les bleus là en bas là. Ça? Non ça. Derrière là, les Lee Cooper là. Ouais ça. C'est toujours pas Lee Cooper. Hein. Non mais bon bref t'as compris quoi. Oui. Ça c'est sympa aussi, j'aime bien, ça change un peu. Oui. Oh bah t'es réveillée? Ah non t'es pas réveillée? D'accord, je croyais que tu dormais. Regarde maman elle a trouvé des petites chaussures. Pour Roxane. Ouais, pour aller à la piscine. Ouais, pour aller à la piscine, ouais, si tu veux. Roxane, elle attend que ça d'aller à la piscine. Ouais, ouais. Mathieu est toujours en train d'essayer ses chaussures. C'est toujours trop petit? Non, c'est bon. Ah. Bah, c'est en tissu, je croyais que tu voulais pas en tissu. Ouais, mais change de technique parce que les autres y arrivent. D'accord, oui, bah, c'est pas mal ça, moi j'aime bien. Mais ça ne sera pas l'hiver du coup, toi qui veux que ça te fasse l'hiver. On en rachètera, ouais. Sérieux. Ça te fera deux étés au pire. Moi j'aime bien ça, ça change un peu. Hein. En plus avec tes Bermudas, franchement ça serait sympa. Moi je valide. Moi aussi. Moi aussi. Ouais. Bon Mathieu a choisi ses chaussures, ouais. Ça y est, ouais. Il est content. Non. Voilà. Si, t'es content alors, si, quand même. Je suis content de les avoir trouvés, mais c'est pas tout à fait ce que je cherchais. T'avais pas le mais... choix que tu voulais. Voilà, c'est pas grave, j'ai trouvé quand même quelque chose qui me convient. Donc. Voilà, et vu qu'on avait la carte cadeau là, de 80. Enfin, l'avoir de 80. De 25. De 25 euros. Voilà. On a pris une petite paire de claquettes, mais il y a un petit élastique derrière pour tenir le pied. Pour Roxane, parce que bah, quand les filles sont en claquettes ou en crocs pour Sarah. Bah elle veut aussi. Donc là on lui avait mis des crocs quand on ouais, était à la caravane mais qui étaient 10 fois trop grandes. Donc c'était pas évident pour marcher pour elle. Donc du coup là on lui a pris des petites claquettes qu'on a payées 8 euros. Ça sera très bien. Et il était temps, ça allait taper. Ouais. Du coup là on va à Bureau Vallée donc qui est juste à côté parce qu'on n'a pas trouvé le critérium à Sarah, on n'avait pas Action. Et il n'y avait pas non plus de stylo noir comme on voulait. Donc on va voir.
Bon, t'as trouvé ce qu'il te fallait? Waouh, trop beau. Et ton truc, on a trouvé le même. Ouais. Parfait, là, nickel. C'est pratique d'avoir des petits sous, hein. Oui. Voilà, et tu as acheté utile au moins. En plus, c'est moi qui ai payé tout. Ah oui, c'est toi qui as payé tout. Bon, en même temps, t'en as pas eu pour cher, hein. T'en as eu pour 2,92€. Bah, c'est la l'avantage de ce magasin, c'est qu'ils font un lunch. Après, j'ai coupé la chic à Mathieu, comme on dit. Non. Et tu disais, c'est... L'avantage, c'est qu'ils font à l'unité. Oui, voilà, c'est à Bureau Vallée, c'est bien parce que, ouais, tu peux trouver tout à l'unité, donc c'est pratique. Je mets dans ma poche. Oui. Ok. Donc, du coup, comme on est sur notre micro-zone commerciale, ouais, parce que chez nous, c'est une micro-zone, hein, parce que là, on a fait le tour. Hein. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, le coiffeur, le truc à lunettes, chaussée à qui habille. Ouais, il y a 9 magasins. Voilà. Du coup, il y a Planet Cash juste en face de nous. Donc, du coup, bah, Mathieu veut aller y faire un tour, bah, évidemment. Oui. Bah, oui. C'est pour ça qu'on disait qu'il faisait meilleur. Il est passé de 16 à 19. Ah, oui, non, mais dès qu'il y a un peu de soleil. Dès qu'il y a un peu de soleil, ça chauffe, hein. Ouais. Ah, bon, on n'a rien trouvé à Planet Cash pour le coup. Il n'y avait rien. Non. Enfin, Mathieu, il n'a pas regardé les jeux. Il m'a dit non, je regarde pas parce que je vais acheter. C'est ça. Du coup, on a passé les jeux déjà. Donc, automatiquement, après, on trouve pas grand chose. Mis à part, des fois, on trouve des petites pépites. Mais, ouais, des fois, ça arrive. Mais là, on n'a rien trouvé. Ouais, non, j'ai même pas jeté un œil sur les jeux de PlayStation 4. En même temps, il t'en reste à finir là déjà. Oui, oui, mais j'ai pas regardé parce que voilà. Mathieu et je quoi. Voilà. En même temps, en ce moment, la PS ça tourne pas. Hein. Ah il y a des mises à jour. Ah oui. Et puis en plus, il fait beau. Enfin, il commence à faire beau. Donc on va commencer à être un peu plus dehors. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc du coup, on a tout fini. Il nous reste juste à aller à la boulangerie. Mais du coup, on va tester celle-là, là, qui est à côté du magasin de lunettes. D'ailleurs, qu'on va aller probablement vendredi, puisque jeudi, les filles ont rendez-vous. À l'ophtalmo, ouais. Donc du coup le vendredi on ira probablement chercher leurs lunettes, comme ça sera fait, à moins que Sarah ait plus besoin de lunettes, mais je pense pas parce que comme dès qu'elle aimait pas et elle a mal à la tête, je pense qu'elle aura toujours des lunettes, enfin je sais pas, on verra. Bref, de toute façon on va à la boulangerie, on l'a jamais testé celle-là, pourtant on passe régulièrement devant, mais on n'y a jamais été, donc on va tester le pain là vu qu'on est juste à côté. Et puis après, on rentrera à la maison prendre le goûter. Ouais, en plus, ça s'appelle boulangerie. Ouais, la boulangerie, ils n'ont pas cherché loin, ça s'appelle boulangerie. Ou la boulangerie, un truc comme ça. Au moins, tu retiens, hein, tu te dis pas je vais aller à côté de Général d'Optique ou de Centre Accor. Non, tu dis je vais à la boulangerie. Je vais à la boulangerie, voilà. Ah bah laquelle? Bah boulangerie. Voilà, c'est ça. Le pain, il est chaud. Ouais. Mais bon, il ressemble clairement au pain de chez Marie Blachère. Hein. Oui, c'est vrai. Franchement, c'est quasi la même chose. Je pense que ça doit être la même enseigne. Regardez, c'est écrit. Ah, boulangerie. Marie Blachère, c'est Marie Blachère. Non, mais ça doit être le même style c'est de même pain. Style, ouais. Peut-être en moins cher, peut-être. Parce que Marie Blachère, des fois, c'est pas toujours non, donné. Non, c'était le même prix. Ah bah, je sais pas alors. C'est à peu près le même prix. Vraiment, peut-être que ça va être bon. On verra, ou de toute façon, du pain, c'est du pain. Ouais. Enfin, on a des pains préférés, hein. Oui, oui. Mais de toute façon, notre pain préféré, elle est jamais ouverte, la boulangerie. Alors, t'allais dire quoi, du coup? D'une personne à l'autre, ça peut varier. Hein. Parce que ce que nous, on va trouver pas très bon, il y en a qui vont trouver très, très oui, bon. Oui, oui, voilà, c'est ça. Et nous, on aime bien le pain aéré dans l'ensemble. Ouais, c'est ça. Voilà, mon pain préféré, c'est Lidl aussi. J'adore le oui, pain Lidl. Oui, il est bon, pain de Lidl, ça, j'avoue. En plus, il se conserve bien, je trouve. Pour un supermarché, il est très, très bon. Ouais. Bon, on va rentrer du coup parce qu'en plus vous avez vu, ça s'excite à la maison, non, dans la voiture, ça s'excite un peu. On a le soleil qui revient, donc peut-être que les filles vont pouvoir jouer dehors aussi. Un peu. Ah, peut-être. Ça serait bien parce que il fait beau et tout, donc autant en profiter parce qu'on sait jamais combien de temps ça dure. Cette année, franchement, c'est un peu n'importe quoi le temps, donc on va voir. T'es vraiment gentil, hein. Qu'est-ce que t'as à être gentil comme ça? Rien. Regardez où le chef il m'emmène. Youpi! On est trop contents. Toujours faire un tour, c'est ce qui coûte le moins. Bah oui, on va juste faire un petit tour. Non, pas de problème. Allez, on va se promener. Oui, oui, oui. Toi aussi, oui, t'aimes bien oui, nos arbres. Oui, 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 oui. Des fois, oui, on trouve des belles pépites. Hein. C'est vrai. Ouais, et des fois, c'est trop cool. Ouais, c'est là on va qu'on voir. Ouais, c'est mais là qu'on a trouvé tes pépites. Il y a un loup, mais non, c'est un chien. Ah, c'est pas un loup. Bon, bah, on n'a rien trouvé. Non, franchement, pour quoi? Rien. À la base, j'avais vu des arrivages Disney et tout, avec des verres belles, des pop belles et tout. Il n'y avait rien. Franchement, rien. Que dalle, quoi. Non. Franchement, nul. Nul. Voilà. On pour a vu la... une pop. Ouais, une pop, je ne savais même pas c'était qui en plus. Ouais, du film Soul, là, ou Soul, mais je ne le connais pas celui-là.
Bref, il y avait rien. Donc bah on n'a rien acheté. Donc du coup, on va prendre le goûter à cette heure-là. Ouais. Mais c'est pas grave. Bah il est bientôt 6 heures. Ah bah c'est bien. Mais bon, tant pis, on mangera en décalé hein. Ben non. Quoi ? Tu veux manger le goûter à 6h et manger à 7h? Bah oui. Bon non. Non, bon, d'accord. On décale un peu. D'accord, 6h15. On va décaler un peu et voilà. Oui. On s'en fiche, on est encore en vacances, nous profitons-en. C'est ça. Bon, on est rentrés les amis. J'ai oublié de prendre le sac bien sûr. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté. Alors du coup déjà Sarah a acheté ça. Alors moi au début je voulais pas parce que je lui ai dit franchement c'est de la bêtise, il n'y a absolument rien là-dedans. Mais elle voulait absolument se l'acheter donc je lui ai dit écoute t'as de l'argent de poche, quand tu comprendras que tu uses ton argent dans rien du tout et qu'à la fin tu voudras t'acheter quelque chose d'utile et que t'as plus d'argent parce que t'as acheté ce genre de bêtises, bah ça t'évitera d'acheter ce genre de bêtises. Voilà. Donc elle s'est acheté ça avec ses petits sous, voilà. Moi par contre je me suis pris ceci, donc je me suis pris un masque peel-off un peu pour enlever les points noirs etc. Apparemment il y a la spatule dedans, trop bien. Bref, un peu de soin de peau ne fera pas de mal. D'ailleurs en soin de peau je me suis pris plusieurs petits masques. Je vais tous vous les présenter en même temps. Du coup j'ai pris celui au collagène, comme ça il paraît qu'il est hyper bien, donc je vais le tester, on verra bien. J'ai pris celui-là à l'avocat, je l'aime beaucoup celui-là, donc je l'ai repris et j'en ai pris un à la camomille, voilà, comme ça niveau peau je suis tranquille et puis si j'ai besoin d'autres masques, eh ben, j'irai en rechercher. On a pris des petites friandises comme ça pour Ruben, donc vous avez vu en ce moment on les sort beaucoup parce que bah, le beau temps revient et donc du coup on essaie d'apprendre à Ruben à ne pas tirer sur la laisse et donc à revenir au pied. Donc pour l'instant il le fait pas trop, sauf qu'on est en fin de balade parce qu'il est fatigué, voilà. Mais du coup je me dis qu'avec des petites friandises il aura peut-être plus envie de revenir au pied et on lui donnera et puis au fur et à mesure et bah il reviendra au pied, on lui dira c'est bien mais on lui donnera pas spécialement la friandise. Bref, comme ils vous apprennent en dressage. Donc du coup on a acheté ces petites choses là. J'espère qu'il va pouvoir les croquer parce que Ruben il a toujours du mal à croquer les trucs durs, donc j'espère qu'il va pouvoir croquer ça. Ensuite à Roxane j'y ai pris ce petit truc. Alors vous avez une petite lampe comme ça avec un rond blanc, voilà. Et en fait dedans vous avez des pages un peu comme ça, voilà, un peu où il fait nuit, quoi, voilà. Et en fait, on va venir placer la lampe dans la double page. Alors, je sais pas si je vais y arriver là. Hop, voilà, on va passer la lampe là dans la double page et du coup, ça va venir illuminer, entre guillemets, puisque c'est juste le rond blanc qui fait ça. Et donc, du coup, elle va venir chercher 4 ballons, 2 palmiers, des lunettes, un parasol, voilà. Je me suis dit, pour Roxane, c'est plutôt ludique. Donc, du coup, je lui ai pris cette petite chose. On a pris aussi bah, le fameux papier aquarelle que j'avais promis à Sarah, voilà. Donc là elle a de quoi faire ses petits dessins, voilà. Mathieu a pris des petites charnières comme ça, donc ça c'est pour faire le coffre de lit de la caravane, il nous en manquait donc du coup Mathieu il en a pris, voilà. Et j'ai acheté ça aussi pour les dessins de Sarah. Donc je lui ai acheté de l'aquarelle mais cette fois en palette. Et du coup elle aura le petit pinceau avec réservoir d'eau. Donc ça sera peut-être plus facile que ses feutres. Donc j'ai pris ces 3 couleurs là. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Donc voilà un petit peu ce qu'on a acheté aujourd'hui. Vous voyez, rien de transcendant. Juste un petit peu de choses. Voilà. Donc du coup je vais essayer le jeu là avec Roxane, voir si elle veut bien, je suis pas sûre mais on verra bien. Et puis je pense qu'après je ferai mes petits soins peau, ça va me faire du bien un petit peu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Non, je rigole, on se retrouve après. Okay. Allez, trouve le parasol. Non. Si, regarde. Attention. Non, je vais tout seul. Tu fais tout seul? Oui. Il est où le parasol? Non. Tu le vois pas? Que tu vois le parasol? Oui. C'est pas facile à passer dedans pour toi, là. Voilà. Tu cherches quoi? Cherche un ballon. Ok. Il est où le ballon? Là-bas. Ah, il est là, je le vois. Ouais. Trop bien. Et est-ce que tu as vu les lunettes cœur? Non, c'est des ballons. Ah ouais, encore un ballon là, t'as raison. Il y a encore des ballons. Non, encore un ballon. Waouh. Il en manque un.
Mais où est le paquet? Alors, t'as trouvé celui-là, t'as trouvé celui-là, t'as trouvé celui-là, et regarde par ici, il y a un ballon. Regarde. Il est là! Ah, il est là! Ouais! Trop bien ce jeu! Regarde, les lunettes, ils sont sur l'ananas. Ah non! Tu vois les lunettes? Ah, tu les vois les lunettes là? Oui! Ils sont là! Ouais, on a trouvé les lunettes! Trop bien! Les amis, je vous ai complètement oublié. Je n'ai même pas repris la caméra depuis tout à l'heure. On a mangé, on a passé la soirée parce qu'il est 23h11. Et j'ai complètement oublié de reprendre la caméra. Tout simplement parce que tout à l'heure, une fois que je vous ai filmé le retour de course, Mathieu s'est posé un peu dans le canapé et il a regardé. Je crois qu'il a regardé la télé ou alors il a joué, je ne sais plus. Bref, mais moi j'ai bouquiné. Et j'ai fait... ah oui, on a aussi fait nos masques et tout. Enfin, j'ai fait un masque au charbon à Mathieu. J'ai fait à moi aussi. J'ai fait poser un masque après que j'ai acheté à Action. Bref, on a fait les petits soins. Après, j'ai bouquiné. Et j'ai eu un mal d'oreille qui est survenu d'un coup. Donc du coup, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Parce que vous savez qu'à la maison, on a toujours tout ce qu'il faut. On a toujours... J'ai l'impression que je suis zoomée. On a toujours de l'anti-inflammatoire, des antidouleurs et tout, des gouttes pour les oreilles. Bref, du coup, je me suis posée, j'ai mis mes gouttes, j'ai pris un anti-inflammatoire pour éviter l'otite qu'elle se démarre trop, parce que je pense que je vais faire une otite, voilà. Et donc, du coup, avec tout ça, j'ai somnolé dans le canapé. Et après, on a mangé. Et après manger, j'ai eu de nouveau Nani au téléphone, parce qu'il fallait qu'elle me parle d'un truc. Et donc, du coup, voilà. J'ai carrément oublié de reprendre la caméra. Mais bon, c'est pas grave, je pense qu'il y a largement assez de contenu. Voilà, donc du coup, bah là, on va aller monter le vlog parce que je suis un peu à la bourre. On n'a toujours pas monté le vlog alors qu'on vient de coucher toutes les filles. On va monter le vlog et puis on va se retrouver du coup demain. Mais dans un retour de course parce que nous, demain, on va faire les courses. Donc, ça sera le retour de course. Voilà. Donc, je vous fais tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je suis désolée d'avoir pas repris la caméra. Mais bon, ça arrive. Des fois, j'oublie. Je fais autre chose et j'oublie que je dois filmer. Enfin, bref. C'est pas grave. Donc, je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à demain. Ciao, les amis.